Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Elden Ring sur PS4. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire la grotte marine. Hop. Donc du coup, je suis sur la plage déjà. Par contre, là, j'ai vu que il y a des traces de pas qui se... Hop là. Quelqu'un a intercepté, je sais pas. Enfin, si vous donnez des coups d'épée. Ça, c'est un peu mystérieux, j'avoue. Est-ce qu'il faut juste suivre les pas? Ah, par contre, pour les suivre, pile. Faut être pile dans ses pas, c'est pas évident. Je sais pas ce qu'il faut faire ici. Ouais, faut essayer d'attaquer, mais j'arrive pas à le choper, c'est incroyable quand même. Ah, j'aurais peut-être attendre carrément en face qu'il arrive. Voir ce que je fais. J'attends qu'il fasse un tour. Je descends de la monture. Ah, j'ai fait trop tard. Ah, j'ai eu. Cendre de guerre, balayage tournoyant, génial! Ah super! Ah je suis content, franchement là je suis content. Bon, c'était pas compliqué en fait, hein, mais bon, fallait quand même y penser. Allez hop, ça c'est bon. Bon, je regarde juste ce qu'il y a ici dans le coin.
Ok, papillon flamboyant. Tranche de viande blanche. Ah, ça j'ai pas eu encore. Ok, ça pourrait te servir pour fabrication d'objets. Allez, on va aller à la grotte marine. Allez, je récupère la viande de tortue. Bon, eux, ils sont pas très dangereux. Alors moi, je suis level 33 au fait, hein. Hop là. Et pour l'instant, mon build il est plus axé magie et force. Plus magie, parce que j'ai quand même une classe astrologue à la base. Alors, la grotte. Alors, c'est bizarre, on l'a dépassé. Ou alors, c'était en hauteur la grotte? Ça m'étonne, non? Pourtant, c'est la bonne. Ah, je l'ai dépassé en fait. Bon, je vais juste d'abord m'occuper ici, là. Ah non, ici c'est un vendeur, ok. Ah oui, ils vendent des boulettes, antidotes et tout ça. Ok. Ah, et là, il y a un manuel de. Donc, unité terrestre, note contenant des informations concises. Alors, ça, j'ai pas. Ok. Bouclier rond en métal. Ça, j'ai pas. Ouais, bonus de force. Ouais, eux. Épée large. 117, ouais. Gourdin. Ah, ça, j'ai pas de gourdin. Arcourt, ouais. Manuel d'armurier, ça c'est pas mal. Donc, par rapport aux armures. Des pierres de forge, ça je prends. Boulette cicatrisante. Disciple saignement accumulé, ça c'est pas mal. Bon, ça les boulettes antidote, j'en avais déjà. Gourdin. Je vais en prendre un. Ah oui, la grotte elle est là. Alors on va activer la lanterne. On va prévoir les loups au cas où. Alors grotte marine. J'y suis pas allé encore pour l'instant. Ouais, d'ailleurs il y a le site de grâce. Très bien. On restaure les PV. Hop là. Alors, qu'est-ce qui m'attend comme malheur dans cette grotte? Comme monstre? Ah! D'ailleurs, faut que je. Voilà, je prépare le bouclier.
Ah. Bon, ça, eux, ils sont pas trop forts. Après, c'est quand même une grotte qui est dans la zone du début. Ah, il y a un passage là. Mais il y en a aussi ailleurs. Bon, ok, donc eux pour l'instant, franchement. Ah merde! J'ai pas dégainé au bon moment. Bon, j'ai perdu un peu de PV, mais pas trop. Pour l'instant, ça va. C'est pas une zone compliquée pour l'instant. Œuf de pieuvre terrestre, ok. Ah, on peut invoquer un... Toucher la marque d'invocation dorée, ok. Donc il y a peut-être un boss. Isvan, le vieux chevalier. Bah, je vais l'invoquer, hein. Il doit y avoir un boss ou un mini-boss, sans doute. Et pourtant, il n'y a pas de rideau de fumée. Alors. Je vais appeler les loups, parce qu'on peut invoquer... des esprits, là. Ah! Là, il y en a un qui est plus gros, là. Merde, c'est pas vrai, putain. J'ai fait une connerie. Bon, déjà, j'aurais dû me mettre sur les... Ah, chef semi-humain, d'accord. Ok, bon, c'est pas grave. J'étais bête, j'aurais dû... après avoir invoqué les loups, j'aurais dû mettre les potions en accès direct. C'est pas grave. Petite erreur bête, mais c'est pas grave. Allez, on active la lanterne. On équipe les potions. Alors c'est marrant là, du coup il y a la nappe de brouillard. Oh, est-ce que c'était un... Oh merde! Ouh là là! Ce qui est con, c'est que j'ai perdu une potion déjà. Ok, bon, heureusement, ils ont en plus été invoqués. Je prépare les loups. Et après, vite que je remette les potions. Traverser le brouillard. Ah oui. Et bien sûr, hop là. Les runes.
Oula, vite. Bon, ça va pas être très dur, je pense. En plus, ils s'occupent pas de moi. Ils sont détournés par Isvan, le vieux chevalier. Oula. Alors, faut que je fasse un petit peu gaffe, quand même. Ah, mince, vite. Hop. Potion. Bon, ça va aller, franchement. Ennemi abattu, nécessaire de couture, ok. Aiguille de couture, ok. Donc ça, ça pourrait peut-être m'aider à... Je sais pas, fabriquer des armes, je sais pas. Bon, c'était pas très dur. Franchement, c'est faisable, hein. Là, en plus, j'ai fait un... j'ai joué vraiment tranquille... sans prendre de risque, vu que j'avais les loups, et même, il y a un mec qu'on pouvait invoquer, hein, donc c'était quand même assez tranquille, j'ai pas été trop stressé. Je regarde juste s'il n'y a pas des trucs à récupérer en plus, là. Franchement, c'est faisable même, je pense, avec un niveau inférieur que, à celui que j'ai. Hein. Moi, je suis level 33, je suis sûr que vous pouvez le faire dans les levels... peut-être 20, ou... Bon, après, tout dépend. Moi, j'ai pas un super skill, donc là, bon... ça m'aide d'avoir un niveau 33, peut-être que level 20, j'aurais plus de mal, quoi. Mais franchement, je suis sûr que vous pouvez le faire à un niveau bien inférieur à level 33, ça c'est clair et net, quoi. Et du coup, j'ai pas regardé. Il faudra que je vois exactement le nécessaire de couture. Parce que je sais pas si on peut fabriquer des armes. Hein. Parce que je savais même pas qu'il y avait un nécessaire de couture. Il doit sûrement avoir une utilité. Une utilité, pardon. Par contre, j'ai juste tant qu'à faire. Aller au site de grâce. Ah. Je vais mettre la lanterne, voilà. Hop. Juste reprendre des forces aussi de grâce, voilà. Pas se faire tomber dessus à la limite en sortant de la grotte, on sait jamais. Et on va quand même regarder. Ah, modifier les vêtements, d'accord. Il y a une option modifier les vêtements, d'accord. Donc on peut améliorer. D'accord, on peut améliorer les vêtements aussi. Parce que j'ai vu qu'on pouvait, alors, je sais pas si vous avez vu ça, au bastion de la table ronde, on peut améliorer les esprits, grâce à Ruderica. Évidemment, avec le forgeron, Oog, hein, il s'appelle je crois, on peut améliorer les armes. Et du coup, on peut modifier les vêtements. Alors, que les vêtements, visiblement, parce que là, c'est que, c'est pas les armures. Hein. D'accord, donc moi, la robe d'astrologue, je peux l'améliorer. Par contre, du coup, ça fait... Ah oui, parce que j'ai pas la robe d'astrologue sur moi, en fait. Mais malgré tout... 6, 7... Ah, mais il y a marqué robe d'astrologue altérée. Mais elle est moins intéressante. Ah oui, mais elle est plus légère. Ouais, mais bon. Là, pour le coup, c'est pas très intéressant, j'ai l'impression. Sauf si on veut vraiment un équipement léger. Donc là, effectivement, ça peut être bien pour avoir un équipement léger. Mais là, en l'occurrence, bon, ça a pas trop m'intéressé. Bon, faut voir après, dans la suite de l'aventure, si ça peut être peut-être plus intéressant, ce nécessaire de couture dans par rapport à d'autres équipements. Hein. Bah écoutez, j'espère que ce petit let's play vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires. Si ça vous plaît, évidemment, vous savez quoi faire, hein, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Et du coup, moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur... Elden Ring sur PS4 pour ma part. Voilà, merci à vous et prenez soin de vous, jouez bien. Ciao.